this man, get it what it is, what it does, what it is, what it isn't. Here's a message I really wanna tell you, so get on, listen to this new song, wake up. We're gonna shake the world, a little bit of spicy, a little bit of wonder. Yes, so many things I wanna say and that you really wanna hear and brrrr. Le quotidien difficile, tout le monde connaît. Le monde est ce qu'il est, même en smartphone, tout se plante. Mais là où je veux t'emmener, c'est juste trop swag sans déconner. Le paradis sur terre, que tu sois innocent. Why do you look back? This is the moment, tonight is the night. In his name we're together, so we put our hands up. Like the skies open for us. Like the skies open for us. Why do you look back? This is the moment, tonight is the night. In his name we're together, so we put our hands up. Like the skies open for us. Like the skies open for us. La joie de l'évangile remplit le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, le joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Le grand risque du monde aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare de la recherche malade de plaisir, superficielle de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la même douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus, même les croyants courent ce risque, certain et permanent.